Je m'appelle Bénédicte de Rigel, j'ai maintenant 30 ans d'expérience, dont 14 ans dans l'innovation. J'ai plutôt un profil de pionnier, puisque bah, sur ces 30 ans, j'ai passé 85% de mes postes sur des créations de postes, justement. Et donc, j'ai rejoint le groupe Nicomatic il y a 3 ans, donc je suis une jeune Nicomaticienne, du coup, pour ouvrir justement de nouveaux projets et créer de la valeur. Donc j'ai intégré le groupe en tant que leader innovation architecture pour représenter la valeur innovation au comité stratégique. Et donc les principales missions sont de travailler les trois piliers économique, social et environnemental, et créer de la valeur sur ces trois piliers. Pilier économique, ça consiste à notamment à proposer de nouvelles pratiques de conception innovante et aussi de travailler sur les cahiers des charges des nouveaux projets immobiliers du groupe de manière à ce que les espaces productifs reste à taille humaine et intègre des notions environnementales pour les futures générations. Le pilier social, par exemple, ça peut prendre vie par le soutien par des projets de mécénat sur des sujets comme l'éducation ou auprès d'écoles ou des projets artistiques avec l'Orchestre des Pays de Savoie. Je travaille sur l'axe entreprise durable, en plus d'un projet qui est en lien avec la biodiversité et qui est porté par un collectif de Nicomaticiens. Alors, en termes de durabilité, il y a plusieurs typologies de projets. Il y a effectivement un collectif de Nicomaticiens qui porte depuis 4 ans un projet en lien avec la biodiversité, c'est-à-dire les espaces naturels du site, et puis la dynamique humaine entre créer de la confiance entre collaborateurs. Après, il y a beaucoup d'autres sujets comme le déploiement d'outils, bilan carbone, on travaille sur la CSRD, des bilans mobilité, tout ça pour s'inscrire dans le CAP 2030 du groupe. Autour de la durabilité, du régénératif, en gardant à l'esprit que ben, on travaille pour nos clients et qu'il faut faire ça avec nos clients. Alors, Nicomatic en un seul mot, je dirais surprenant.